Bona tarda, buenas tardes. Good afternoon and greetings from Barcelona, from the auditorium of the Born Center of Culture and Memory, which is located in the building that was the old Born Market, which opened in 1876. And it's a space that's right next to us here, which has is full of history. And undoubtedly, this is one of the most charming neighborhoods of the city of Counts, as it's known, with its narrow medieval streets, its unique shops and design boutiques, its cafes, restaurants. You can eat fabulous food and ice cream. And just very close to us is the famous Picasso Museum and the wonderful Santa Maria del Mar Church. Barcelona is an innovative city. It's constantly transforming. It's a leader in putting children's play and the right to that as part of the urban transformation framework to improve the life of children and community life also. So we'd like to welcome you to this hybrid meeting. It's both in person and it's great to have people here after all this time. And we also have many people following us on the streaming over YouTube. Welcome to all of you. It's a meeting that's been organized by Barcelona City Hall in collaboration with the Children's and Adolescents Institute and the International Association of Educating Cities, the IAEC. And we're going to talk a lot this afternoon. We're going to talk a lot about the playable city, how Barcelona is transforming, as well as other parts of the world. And in this first part of the meeting, we will be looking around the world to hear about experiences of playable cities. We're going to be speaking, as you can hear, Spanish. Many people are following us from Latin America, but you also have simultaneous interpreting in English and French. Now, around 2 years ago, the upshot of a cross-cutting process, which involved over 400 professionals, organizations and citizens, the play plan for the public space in City of Barcelona was set up. It involved 10 driving projects and 63 measures, which look to the 2030 horizon, which is not such a distant date anymore. Now, Barcelona has a lot of play to give. We know that very well. Also, the deputy mayor of urban ecology, Janet Sanz, knows this too, and she led a previous transformation in the last legislation, which is transforming the city. And she's going to be talking about how the plan is going and what strategies the city has put in place for its playable city. So a big round of applause. We have our public here. Let's make the most of them. Janet, you have the floor. Thank you very much. And a very good afternoon to all of you. Thank you so much for joining us. Thank you, Clara. It's a real pleasure to have this return to normal, but also to be sharing with people who are following us from afar, and as well as being able to see each other's faces here to work, to talk about our strategies, which we are starting to push forward. They've been in place for 4 years now. And Maria Truñol, who's currently the Councillor for Education of the city, she was leading the Institute for Children and Adolescents at the time. And the goal there was how Barcelona would address that challenge of really putting young people and children at the heart of our policies. And right then, we decided it was a matter of urban justice to really buck this trend of excluding children from city planning and transformation of our cities. Like other groups, that's why we set up this strategy, which is still in place and which has involved a whole array of measures. And the aim, overarchingly, is really to bring together specific proposals around feminist urban planning, involving everybody, where nobody is left out, and there where everybody is on board. When we're building streets, when we're redesigning those streets, when we're thinking about our public space, which
is the most democratic factor in our lives, if you like. The fact that we can all go out onto the streets, especially a Mediterranean city like Barcelona, like this, it's really an extension of our houses, of our homes. We go out, we like to go out and walk, to go out shopping, to play. How we can live in this Mediterranean city like this and make this our urban transformation. It might seem like common sense, but actually it's been transformative in the way we have made Barcelona, we've put Barcelona at the forefront of a whole wave of cities that are working in this direction. And we're going to hear from Sao Paulo, Paris, and many other places around the world that have got on board with that aim of making our cities livable for children, because we know that if they're livable for them, they're livable for everybody, and that's absolutely crucial. In addition, we always think of children from the perspective of their future. What about the present? Those children deserve to live in a nice, welcoming city where they can develop as people. And that's why another of the keys to this is in a playable city that would involve everything, that we should be able to look at everything, question everything, that priority use of certain dimensions, certain elements like cars, which are so damaging for our children's health, shouldn't just be thought about in the future, but in the present also. So really turning around the current situation. And little by little, initiatives have started coming up. I'll tell you about a few, which I do want to highlight here. But really, it's our plan of play that we presented, which really went far beyond traditional playgrounds where children could get together to spend a bit of time in their everyday life. We thought that any space in the streets could be a play space. So we started off by thinking how we should redesign these streets, how we should bring in different aspects. And that's where we have these, what we call these unique areas in various neighborhoods around the city, these unique play elements that really enable much more intense interactive play. So many of the initiatives have been aimed at really meeting that declaration of intent, if you like, which was this plan 4 years ago. It was very pioneering, very ambitious, involving over 60 actions, which have really filled up our neighborhoods and spilled over them also. So just to, if I could sum up some of the main proposals, the plan obviously has quantifiable indicators, measurements, but our city strategy is really about achieving a playable city, and above all, a city that you can live in. We don't want anybody to have to leave Barcelona. We don't want any child to feel left out of our city, but rather we want them to be able to fully enjoy the city. So one of the first strategies was to really push forward play spaces, play areas specifically. And one of the first debates was who does these, who makes these playgrounds? What criteria do they use? You've got gardens, which are a city hall space where we've kind of put anything in there. Is there real leadership? Who's leading the thinking for that? Or what criteria will there be? And the list of criteria for playgrounds, play areas, was the one of the first things we came up with. We had official experts who came up with a framework to be able to develop and to design new play spaces and also reformulate the ones that we already have, because we have to constantly think about how we can improve our play spaces to make sure that children are safe, secure, and that they're fully tailor-made to their needs. Also, accessibility and other questions, different materials that are used.
These are all questions that we looked at. So we created over 100 new areas. In the last few years, we've refitted over 160 to make play more stimulating, more diverse, and make it more shared also between parents and children so that everybody would be taking part. I don't know if those of you here have already seen this, but if not, I very much encourage you to take a walk around a Plaza San Miguel, which is an absolute party. It's wonderful, filled with children. Before it was just a gray cement, a concrete, harsh place where people would park. Right now, it's filled with life every morning, every afternoon. And for those of you who don't know, Plaza San Miguel is right next door to the city hall, and going out and seeing all of the children dodging their bicycles, their scooters, and all of their kids coming out with their snack after school. It's such a delight to see such a specific transformation that really has resulted in that life and that gives us this square filled with children. And it really encourages us to continue working and striving to do better. Another of the main focuses of this legislation, again, putting children at the heart of what we do as vital in our policies, has to do with schools. We know that for far too long in Barcelona, schools are in streets where there is unacceptable levels of pollution. And this has an impact and it is damaging to the health and development of children who go to those schools. So it's essential for us to be very strategic here also, for schools to be protected. And in 2020, we launched a project called Protect Our Schools, which involves measures to really change the use of the streets around schools. It was ambitious to start with, but once again, involving the school community, a parent teachers association, various different organizations and platforms that have contributed to the city really came to us and said, we have to spread this out to all city schools if possible. At the moment, we're addressing over 150 schools, which really gives us coverage, allowing us to, above all, just to change people's mindset. People didn't realize when they were driving their cars through the city that they were going past a school, and that was causing a problem for many of the children, and often even their own children. In fact, so really what we've done is to put the we all have to look after and respect this part of the city, and we all need to live better. So we really need to, what we've done is to try to create broader spaces. We also made the most of the pandemic, in fact, because many parts of the city have been taken over, if you like, by schools to use up that space around them, that public space. So we have another complementary program. And really the goal is that schools wouldn't feel closed in and attacked by this damaging pollution, but rather it was schools that would go out and occupy the space around them. So we've taken space away from cars to give it to children to improve their mental and physical health also, because unfortunately there have been some traffic accidents also. Thirdly, the strategy which is overarching, if you like, which is the transformation of Barcelona, which really sets out how we want to live, think, use the city, which is the Barcelona super block or super island, as it's known literally, which is not just one specific measure, but rather encompasses a whole new way of thinking about the city. Right now,
It's focused in a certain area, but we're also hoping to roll it out to Bonpastor or to other areas, also involving measures like opening up the streets, which is another of our significant measures, this legislation, which basically is cutting off the traffic at the weekends so that children, again, can go out, can really be in the streets, local shops also, after all of these months of having been shut down, can really utilize the space as well. So all of these measures are very interlinked, and the aim is to achieve a healthier, more inhabitable city, which puts children at the limelight. We've seen that in the San Antonio super block. That was the first. And like the Plaza San Miguel, it really fills the city with life every day. And we want that to be the norm, not the exception. We want that to be the case in most of our streets. So when we're on these big streets like Consell de Sent, Girona, Comte de Borel, we want that to be the new normal, with no cars, but with people, pedestrians, walking, and all contributing to making this a new record. We have 300,000 cars driving through Barcelona every day, and what we want to see are far more children playing football, playing with their parents, enjoying the city as we adults might be able to. So the aim with all of these measures is to create this urban transformation framework, which puts children who are our present and our future, puts them really at the forefront. And so that the city really works for them in a context of climate crisis and of a lack of space, as we have in Barcelona, to make the city more democratic, to make it a space for everybody. So thank you very much to all of those of you who have made this possible and who continue to do so. All of the visions that come together from various different sectors, our international experiences, which really help us to make our cities better, starting with our children. Thank you very much. I hope the meeting is very successful and that we hear about new experiences to keep moving forward. Thank you very much, Janet Sense. How enthusiastic. What a passionate speaker. I was remembering just a couple of years ago when you presented this plan of play. In the papers, they were saying, oh, they're going to take down these signs where it says no footballs, on the no games in the street. When we really have seen these places change, San Antonio, Plaza San Miguel, they really have totally changed in the last 2 years. So looking towards 2030, I'm sure we will see many more projects. As Janet has said, we're going to hear some more of them right now. So let's take a walk around the world. We share our Playable City project with other big cities in the world, like Paris, Sao Paulo, also, who are also in the Network of International Association of Educating Cities, which is chaired by Barcelona. Also, these are inspirational, visionary cities, and we've invited them to share their experiences with you this afternoon. I beg your pardon, there was a technical glitch there. We're starting with Paris. Paris has been working for years on promoting and increasing opportunities for play in public spaces, not just for children, but for all citizens. Projects such as the playground in the Place de la République, climate refuges, open schoolyards, making streets quieter and calmer. You can hear the music, right? We're sharing this playable idea. And the real focus in Paris is that it's intergenerational, cross-generational, and really they want people to go out onto the street. So we have Cyril Perop with us, who's the head of Patrick Bloch's office, who's deputy mayor in charge of children and families, new learning, and the Council of Paris. We have Mr. Perop. Hello, welcome. Good afternoon, everybody. Thank you for this invitation
I'd like to thank the International Association of Educating Cities. The interpreter apologizes. There is some sound issues, unfortunately. So, as you've said, making cities playable basically is about making them livable. And as you've said, we need to drastically cut the amount of car traffic that there is in public spaces as a key goal. Air pollution is obviously also key. The mayor of Paris, since starting in 2014, has also strived to make Paris a nicer city, a more breathable city. And I have a very brief presentation. I'm going to focus on three aspects which really sum up our ambition and what we're doing right now. The health crisis and COVID obviously has stopped us for some time, but we have kept working and we have indeed been able to continue setting up measures. So firstly, playgrounds. As you know, Paris is an extremely dense city. It might not look like it because there aren't very big, high, tall buildings. But in fact, 66% of the surface area of Paris is constructed. So in a dense city, public space is lacking, and therefore we have really had to look at how we can create spaces for children and families to play. La diapositive suivante. La place de la République est une place symbolique, politiquement, historiquement, c'est une place où il s'est passé et où il se passe énormément de choses. C'est une grande place, quasiment au centre de Paris, avec qui a été rénovée il y a une petite dizaine d'années pour la rendre aux piétons. Et dans cet espace qui est ouvert, sur lequel il y a très peu de repères, à part des arbres, nous avons implanté une ludothèque, et je veux bien la diapositive suivante. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que cette ludothèque, elle est implantée dans un coin de la place, elle n'est pas balisée, il n'y a pas de barrière, et que, bien que la place de la République ait été considérablement apaisée, il reste encore du bruit, place de la République, il y a encore de la circulation de voitures, et avec un dispositif comme cela, on peut offrir aux familles un espace apaisé qui leur permette de faire venir leurs enfants et de jouer. Et le spectacle de cette ludothèque, par exemple, samedi après-midi, lorsqu'il fait beau, et en ce moment à Paris, il fait beau, eh bien, vous voyez quasiment isolé du bruit environnant, de toute la circulation piétonne et vélo autour, et sont un petit peu comme dans une bulle, et qu'ils jouent avec les jeux qu'on met à leur disposition. Et par exemple, et c'est la diapositive suivante, vous voyez un exemple de bibliothèque de jeux où les familles viennent se servir, et on voit vraiment une très grande complicité entre les parents et leurs enfants, entre des jeunes et moins jeunes, parce que tout ça, c'est extrêmement, ça donne une, c'est une très belle expérience humaine qui montre que
sur un espace public qui n'est pas encore complètement apaisé, on peut développer des belles initiatives de jeu. Je veux bien la diapositive suivante. Alors, un autre dispositif qui est dérivé, ce sont les ludomouvres. Nous avons inventé un autre dispositif mobile qu'on peut déplacer, qu'on peut implanter de façon extrêmement rapide, et ce sont les ludomouvres. Et comme vous le voyez sur la petite illustration, une ludomouvre, c'est quoi? C'est un conteneur, généralement un conteneur maritime, et il y en a beaucoup à recycler partout dans le monde, qu'on a transformé en ludothèque mobile. Et je veux bien la diapositive suivante. Et là encore, on l'implante, alors on a un calendrier, on fait circuler la ludomouvre tout au long de l'année, évidemment plutôt à partir du printemps, en différents endroits de notre ville. Et là aussi, on voit qu'à partir du moment où on implante un dispositif comme cela dans un espace qui n'est pas forcément extrêmement important, on arrive à attirer les familles et leurs enfants et à créer un lieu d'animation, à reconquérir l'espace public pour les piétons et pour les familles. Et vous avez évoqué tout à l'heure la place, je crois, Saint-Michel, À Paris, nous constituons des petites places Saint-Michel un peu partout. Vous avez sur cette illustration à gauche, évidemment, une ludomouvre implantée sur les berges de la Seine, qui ont été, grâce à un combat qu'a mené la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ont été débarrassées de leurs voitures pour le plus grand bonheur des Parisiens. Eh bien, voilà, nous pouvons implanter le jeu dans différents endroits d'espace public, et ce sont des dispositifs qui sont très demandés par les mairies d'arrondissement. Je veux bien la diapositive suivante. Voilà, et alors, le troisième dispositif que je voulais souligner, et ça tombe bien que nous soyons à Barcelone, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on s'inspirait les uns les autres, qu'on se copiait les uns les autres. Eh bien là, oui, clairement, je l'avoue, nous l'avons, nous vous avons copié. Et parce qu'à Barcelone, vous avez ouvert les cours d'école il y a quelques années, et nous, à Paris, on n'arrivait pas à les ouvrir pour différentes raisons, parce que ça, comme on dit, ça ne se faisait pas. Eh bien, nous avons, c'est-à-dire depuis juillet 2020, de donner un coup d'accélérateur. Et au printemps 2021, c'est-à-dire il y a quelques semaines, nous avons ouvert 48 cours d'école et de crèche aussi, le samedi. À Paris et en France, en tout cas à Paris, il n'y a pas de classe le samedi. Donc, c'est un temps non scolaire, et ces cours d'école, et je veux bien la diapositive suivante, elles sont ouvertes pour que précisément les familles viennent s'amuser le samedi matin, mais aussi l'après-midi. Et nous mettons ces cours à disposition, et je veux bien la diapositive suivante, et à chacun de s'en emparer. Alors, dans certains cours, il y a des activités qui sont animées par les associations. Et alors, comme toujours, lorsque l'on fait quelque chose de nouveau, eh bien, il y a toujours des gens qui disent « Non, il ne faut pas faire comme ça, on n'aurait pas dû ouvrir les cours d'école. » Et on dit toujours « Mais regardez, à Barcelone, ils le font depuis longtemps, et ça marche, et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas à Paris. » Et là encore, nous l'avons ouvert il y a quelques semaines. Et même quand le temps, la météo n'était pas très bonne, bien, ces cours, tout de suite, les quartiers s'en sont emparés, et ce qu'on voit est extrêmement réjouissant. Et ça nous encourage à poursuivre pour l'avenir. Je vous ai dit qu'il y avait 48 cours d'école. Il y a 649 écoles à Paris et 114 collèges,
ce qui vous montre bien la marge de progression que nous avons. Et puis, je ne l'ai pas montré ici, mais comme à Barcelone, bien entendu, nous apaisons la circulation devant les écoles, nous faisons un dispositif qui s'appelle la rue aux écoles, de manière, par exemple, le matin, lorsque les enfants viennent à l'école, eh bien, il n'y a pas de circulation de voitures, mais je pense que nous partageons toutes et tous, dans toutes les villes, quelle que soit notre diversité, cette préoccupation. Voilà ce que je voulais vous dire pour Paris. Merci. Monsieur Perrault, merci pour votre présentation. Nos ha gustado mucho desde Barcelona oír. Nous avons beaucoup aimé vous écouter. C'est bien, vous avez dit, on vous a copié. Vous avez dit que vous vous occupiez. Eh bien, bien, tout à fait, il s'agit de ça, en fin de compte. De se copier les bonnes choses pour pouvoir arriver, monsieur Perrault, parce que dans un peu plus tard, nous allons nous retrouver pour un espace de questions. Les personnes qui nous suivent depuis Le Born, depuis le Centre culturel, ainsi que ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez poser des questions à travers le chat et nous réserverons quelques minutes à la fin pour répondre à certaines questions. J'imagine qu'on n'a pas le temps de répondre à tout. Bien, nous allons passer à la deuxième ville invitée aujourd'hui. Nous allons traverser l'océan pour arriver jusqu'à São Paulo, au Brésil. Là, dans les années 70, le Conseil municipal de sport et de loisirs a mis en marche le programme As Ruas da Lazer. C'est les rues du loisir qui met aux mains de la citoyenneté l'opportunité d'organiser, exécuter et profiter des activités ludiques et récréatives dans les rues de la ville en les transformant dans des environnements de convivialité, en changeant les environnements. Donc, on connecte avec la mairie de São Paulo où nous allons retrouver Fabio Rodrigo Blandau, qui est coordinateur du projet des rues du loisir. Rodrigo Blandau, bon après-midi, bienvenue à Barcelone. Bonjour. 4 décennies, c'est beaucoup de temps. Comment est-ce que le projet des rues des lasers a transformé la ville de São Paulo? Bon après-midi à tous. Je m'appelle, je suis le coordinateur du programme Ruas de Laser, les rues du loisir. Et avant de commencer la présentation de notre programme, je pense qu'il est important de mettre en contexte notre programme à São Paulo. Vous voyez ici le Brésil avec ses définitions d'État et l'État de São Paulo. Vous avez une carte de couleur qui montre les municipalités de la ville où nous nous trouvons. Les divisions par couleur sont différentes districts municipaux, ce sont les différentes divisions. Et vous pouvez voir aussi différents indicateurs comparatifs avec Paris et Barcelone. Et vous pouvez voir que la ville de São Paulo est très, très peuplée, avec plus de 12 millions d'habitants. Donc, une ville extrêmement étendue, si on la compare à Paris ou Barcelone. La densité de population est moindre si on la compare à Paris, à celle de Paris et de Barcelone. Cet indicateur de façon isolée, bien, vous direz d'accord, mais cet indicateur, comment est-ce qu'il nous, nous a fait arriver à ce programme Rue du Loisir? Nous allons faire un petit exercice où il faut utiliser l'imagination, un exercice qui nous fait remonter aux années 70 à São Paulo, au São Paulo des années 70, qui était une ville avec un processus d'humanisation croissant, où l'on souffre un processus de migration interne, de personnes qui venaient des zones rurales de l'État de São Paulo, mais aussi d'autres zones du pays, avec donc moins de pouvoir économique. Et qui arrivait à São Paulo pour trouver du travail, pour obtenir des meilleurs salaires, pour en fin de compte améliorer leurs conditions de vie. Mais ils n'ont pas réussi à vivre dans la zone centrale de la ville, qui est la meilleure.
ils ont dû se diriger dans la périphérie et dans les zones périphériques et donc qui ont une énorme densité de population. Et lorsqu'on parle du programme des rues de loisirs, lorsqu'on parle de loisirs dans ces zones très densement peuplées, il n'y avait pas d'équipement public. Il y avait un accès très difficile aux lieux privés parce qu'il n'y avait pas de transport public. Il y avait un réseau de transport public il n'y avait pas de réseau public qui mette en communication le centre avec les périphéries. Donc, il fallait intervenir et on a créé il s'est créé un environnement qui a permis le projet de la rue du loisir qui a commencé en 1976 avec trois piliers ou trois objectifs. C'était les objectifs du secrétariat de sport, c'était d'encourager des opportunités pour les activités et de récréation. Et le deuxième objectif était de s'approprier de l'espace public. Il s'agissait de fermer la rue aux véhicules et changer cet espace et le transformer dans des environnements de vie. Et le troisième objectif, c'était encourager l'autonomie des citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir leurs activités de loisirs et de sport. La première norme a surgi en 1990. Et dans les années suivantes, il y a eu d'autres lois, d'autres décrets, d'autres normes, mais qui étaient très flexibles en fait, ou plutôt très peu flexibles, et qui rendaient difficile de s'adapter au changement, à la transformation que tu es en train de vivre, Sao Paulo, à cette époque. À partir de là, on peut prendre en compte deux éléments. L'optique quantitative, et nous pouvons comprendre que le programme a eu un certain succès. En 2013, nous avions 1077 rues actives, mais bon, évidemment, on a eu toute une série de problèmes, des problèmes de gestion, des problèmes internes, qui n'ont pas été bien gérés. Il n'y a pas eu de contrôle correct quant à la gestion de ces rues. Il y a eu une grande augmentation de ces rues de loisirs, mais de façon très désordonnée. Ça a été en fait un processus très chaotique, ce qui a provoqué, en fin de compte, des problèmes sociaux, comme par exemple des espaces fermés qui donnaient lieu à des soirées, à des fêtes non régulées, non autorisées, et qui créaient des conflits entre les voisins, certains favorables aux rues des loisirs et d'autres complètement opposés. Et c'est devenu en fait un thème de football politique, c'est-à-dire que personne ne se mettait d'accord. Les gens essayaient d'obtenir les votes en utilisant ces rues du loisir comme argument politique. En 2013, on a fait une évaluation très ambitieuse. Un des techniciens de l'époque, le professeur Alan, et son équipe ont réalisé toute une recherche sur le terrain. Et ils ont interviewé à plus de 3000 personnes. Et ceci nous a montré que 13% de ces rues étaient considérées actives. C'est-à-dire que 130 rues de loisirs étaient considérées active. Et face à cette photographie fixe,
le groupe technique a rédigé une nouvelle normative avec des règles beaucoup plus claires pour pouvoir mettre en place ces rues des loisirs. Il y a eu le décret 55684 du 12 novembre 2014 qui l'a mis sur papier. Alors, ces règles ont provoqué des changements clés, comme par exemple limiter la quantité de rues de loisirs dans un rayon de 2 km. Ensuite, après les résultats de cette recherche, nous avons fait une modification, enfin on a fait une étude du profil des habitants et on a créé de nouveaux horaires d'ouverture, c'est-à-dire que de 10h du matin à 4h l'après-midi, de 9h du matin à 5h l'après-midi, le jour de notre semaine, et de 10h à 4h le dimanche. L'autre changement clé était de créer un pourcentage minimum . C'est-à-dire, disons-le, que les habitants qui, à travers une pétition, étaient ceux qui devaient prendre des décisions. Et il devait y avoir un pourcentage minimum correspondant à la population pour pouvoir le mettre en marche. Ensuite, les habitants, tous les ans, devaient faire un registre, en fait. Sinon, les rues de loisirs étaient désactivées. Mais à mon avis, les deux changements, ça c'était les deux changements les plus, ça a été les changements les plus importants parmi d'autres. Voici un diagramme de flux de mise en place et qui fixe clairement la responsabilité de chaque acteur. Alors, les habitants des rues des loisirs sont les personnes qui doivent donner la documentation à la préfecture, qui, à son tour, analyse les documents, fait une étude et donne l'accord ou pas. C'est-à-dire que les habitants doivent présenter une pétition, une demande. Ensuite, cela passe à travers le secrétariat de transport et mobilité urbaine. Et là, on fait une étude claire de quel sera l'impact si la rue est fermée. Et ensuite, ça passe aussi au ministère des Sports qui, en fait, se charge du problème, comme j'ai dit au début. Et donc, on commence à mettre des signalisations et on commence à distribuer ce type de signalisation. Et de cette façon, ce sont les propres habitants qui gèrent la rue. Par exemple, ils ferment la rue un dimanche avec ce type d'instrument ou d'outil. Alors, ce que je veux dire, c'est que le secrétariat de sport a pensé qu'il faudrait faire une limitation du nombre de rues, mais le décret il devait être un peu trop flexible puisqu'il n'y avait pas de restrictions. Et donc, le nouveau décret a établi des limites pour les nouvelles implantations. Par exemple, des rues qui, au début, lorsqu'on a commencé à faire le programme des rues du loisir, pouvaient l'être, mais maintenant ne peuvent plus l'être. Alors, il existe donc des normes qui restreignent plus, mais qui sont plus réalistes, en fait, parce qu'il y a des rues qui ne peuvent plus être des rues de loisirs. Donc, après les recherches, 13% de ces rues actives et 80% étaient actives. Et le pourcentage restant n'était pas intéressé par ce programme. Alors, on dit, bon, on peut réduire les rues et concentrer nos efforts sur celles qui fonctionnent bien et qui ont la volonté. En 2026, il y a eu 22 rues de loisirs et ceci a fait
que l'on réalise des actions actives pour encourager l'ouverture de nouvelles rues et surtout encourager les habitants pour qu'ils fassent des activités dans les rues. Et à cette fin, le secrétariat de sport de la municipalité a réalisé, s'est associé avec la société civile et dans la ville, dans certains quartiers municipaux, ils ont commencé à réaliser des activités toutes les semaines. Parmi ces activités, il y a les jeux traditionnels, comme la marelle, cache-cache, football dans la rue, qui est un jeu très traditionnel, très populaire. Hein. Une piscine au milieu de la rue. Et l'Institut municipal de sport a réussi à s'associer avec le secteur privé également pour, par exemple, l'Alameda Araes et l'agence Animarte, qui est une agence de publicité marketing et qui a pensé, bon, on va organiser des activités et donc ils ont organisé des activités dans une rue et ça n'a rien coûté au secrétaire de sport. Ensuite, il y a d'autres relations que la société civile. Par exemple, ici, une réunion de spécialistes de la récréation, des spécialistes de la zone avec des ateliers de jeux, avec des ateliers d'activités qui mettaient en jeu l'imagination, le sport ou la culture. D'autres partenaires ont été toute une série de programmes de secrétariat du sport, et je cite un exemple. Par exemple, la Journée mondiale de l'eau, on a réalisé un programme de sport. D'autres activités, par exemple, la sixième rencontre municipale de rue du loisir. Il y a eu deux rencontres par an et ce sont deux rencontres durant lesquelles on parlait de la gestion locale du programme et où on abordait les bonnes pratiques également. Et ici, vous voyez, cette dame, par exemple, avait dessiner une piste d'athlétisme dans la rue et proposer des ateliers aux enfants. C'est une dame sportive, une athlétiste dans la zone de Villa Mariana. D'autres exemples. On a présenté des ateliers de peinture et graffiti, par exemple. Des ateliers de recyclage également. Des tournois de football rue entre différentes rues, et toutes ces expériences ont été présentées. Et puis nous avons aussi créé des liens avec l'université, le monde académique, parce que les universités ont toujours encouragé les étudiants à pratiquer les théories qu'ils avaient ou qu'ils étudiaient en classe. Vous pouvez voir ici une carte de la municipalité de São Paulo. Et la zone complémentaire de Campalo avec ses 50 programmes de rue de loisirs. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe à l'avenir? Voici le budget public pour 2021 de la mairie de São Paulo, du secrétariat municipal des sports, 33 millions, et un budget pour l'encouragement à la promotion des activités sportives, récréatives et de loisirs de 80 à 60 000 euros. Le représente n'a pas. Il utilise une petite fraction de ces quantités pour pouvoir réaliser ces activités, pas toute la quantité. À partir de cette image de budget, on peut établir des objectifs pour les 5 années à venir. Ces objectifs sont ceux d'augmenter le nombre de rues de loisirs actives. On augmente le nombre de rues, mais on ne change pas la qualité du programme.
On ne va pas faire une augmentation quantitative s'il y a une diminution qualitative. Pas du tout. Nous voulons améliorer la qualité. Il y a 70 rues actives et tous les ans, nous avons prévu une augmentation d'un petit pourcentage du nombre de rues actives. L'objectif est d'arriver à dépasser les défis qui, comme par exemple la pandémie, survivre à la pandémie. Au mois de mars de l'année dernière, tous les programmes de sport et de loisirs ont été suspendus. Et la même chose pour le programme des rues de loisirs. Et donc, il s'agit de réaliser un diagnostic et d'établir un calendrier de travail. Et puis également, faire des réunions avec les anciens associés du programme qui ont garanti des actions à un coût zéro. Il ne voit qu'une minute. Pardon, oui, vous pouvez continuer, mais vous disposez plus d'une minute de temps. Ok, non va passer de ça, prometo. Très bien. Donc, je vais terminer en une minute. Vous continuez? Oui. Bon. Et pour terminer, donc on voulait se retrouver avec nos anciens partenaires du programme. Un autre défi, c'est de digitaliser ou numériser le programme. Nous avons profité, nous voulons rendre disponible une guide d'activités, de jeux et d'activités ludiques. À ce moment d'isolement à cause de la pandémie. Nous disposons également d'une application qui va permettre de sortes de gamification qui donne toute une série de jeux aux activités de loisirs. Un autre défi, c'est faire un investissement, acheter plus de ces chevalerets et faire de la promotion. Et puis, pour terminer, nous pensons que l'investissement pour 2025 est un investissement de 100 000 euros et nous considérons que nous arrivons tous à nos objectifs. Eh bien, si nous abordons avec volonté tous nos problèmes, nous pensons que qu'il y ait plus de personnes qui participent et que le programme arrive à avoir un coût per capita de 0,35 centimes d'euros. Et je termine ma présentation. Voici ici toutes les références bibliographiques, ce qui inclut une étude réalisée. Voici mes données et cette présentation qui est à vous dire que cette disposition est à votre disposition au sein de l'Association internationale des villes éducatrices. Donc, sur la web de AIV, vous trouverez la présentation. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ici. Merci beaucoup. Muchas gracias, señor Brandão. Muito obrigada por traernos a Barcelona. Y a todo el mundo a través también de internet, estas ruas de láser, estas calles de ocio que hemos visto en esta foto móvil que nos ha hecho este recorrido de ensayo-error en ese proyecto que empezó como un boom y que ha tenido un poco que irse replanteando, reformulando a lo largo de los años, pero tiene muy buena pinta, muy, muy buena perspectiva. Gracias por acompañarnos también esta tarde en Barcelona. Bueno, y una vez hemos conocido más de cerca a algunos de los proyectos de nuestras ciudades invitadas, de París y de Sao Paulo, nos vamos hasta Londres para dar la bienvenida a Tim Gill, todo un referente y experto en ciudades jugables. Bueno, a él le hemos hecho un encargo especial para la jornada de hoy de Barcelona, que nos dibuje
ese mapa internacional de las ciudades jugables, los 4 o 5 proyectos referentes y más potentes en estos momentos en todo el mundo. Ejemplos a seguir en cuanto a transformación de los espacios urbanos a través del juego. Bueno, y de paso, también, como quien no quiere la cosa, ya le hemos pedido a Gil, a Tim Gil, que valore la aportación de Barcelona con su plan de juego a este cambio de paradigma que ya es también internacional. Desde Londres, damos la bienvenida a Tim Gil. Hi, Tim. Welcome to Barcelona. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonjour. Donc, nous devons célébrer la journée et ce que je voudrais, c'est ce qu'on veut, c'est soutenir et célébrer ce qui est distinctif des enfants en jeu. Je partage l'écran. Ceux de Barcelone, vous allez reconnaître le super bloc de Poblenou. Janet Sanz en a parlé. Et moi, je vais... avoir une vision des villes qui ont essayé de devenir plus le même que le titre de mon discours. Lorsqu'on parle aux enfants, on parle de notre enfance. À quoi nous jouions lorsqu'était enfant? Quelle était notre vie dans les villes? Et une autre image qui nous montre comment les relations avec les enfants ont changé, entre la ville et les enfants ont changé. Voici une image de Sheffield où on voit 4 enfants. Ils ont tous 8 ans, mais 4 générations de la même famille et ils ont grandi dans la même ville. Et vous pouvez voir la grande partie qui prend presque toute la carte. C'est donc c'est tout le territoire de l'arrière-grand-père en 1919. Ensuite, vous voyez comment le cercle se termine. Voici le fils qui se déplaçait quelques mètres jusqu'à le bout de sa rue. Et on sait que la plupart des enfants, à l'âge de 8 ans, en tout cas en Angleterre, ils n'ont pas le droit de sortir de leur maison et de leur jardin. Et donc ceci capture ce que j'appelle c'est les horizons de l'enfance qui diminuent. Et ça, c'est un des changements les moins explorés dans la vie des enfants. Et ceci a lieu dans tout le monde. Et une des raisons pour lesquelles cela a lieu, c'est parce qu'à cause des changements de l'environnement construit. Donc je pense que c'est bien parce que cela nous rappelle ce que c'est d'être un enfant qui explore une ville. Et c'est quelque chose que beaucoup d'enfants ne peuvent pas vivre aujourd'hui. Dans mon présentation, je vais dire qu'est-ce que je veux dire par un changement adapté aux enfants. Et puis, je vais parler un petit peu de Barcelone et quelque chose qui nous permette d'aller de l'avant. Alors, je vois des designers de planification adaptés aux enfants et qui utilisent 2 dimensions. La première, c'est les choses à faire. Il faut qu'il y ait des zones de jeu, de la nature, des parcs. Donc, beaucoup de choix de choses à faire. Mais cela ne suffit pas en soi parce que si les gens... Les enfants peuvent avoir des choses à faire, mais ils doivent pouvoir se rendre dans ces enfants. Donc, la mobilité des enfants est très importante, surtout à pied et en vélo. C'est l'autre dimension qu'il faut prendre en compte. C'est la seule façon d'avoir beaucoup de choses à faire, d'endroits à aller et un haut niveau aux enfants. Alors, à quoi ça ressemble? Dans mon livre, je partage un quartier, mais il y avait une question. C'est pas une recette, c'est une source de réflexion. C'est le quartier de Verba, c'est un suburb de Freiburg d'il y a 20 ans. Vous voyez 2 images ici. Le point clé sur Fribourg, c'est que c'est un district de 4-5 000 personnes, mais il n'y a pas de voiture.
dans ce quartier, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est parce que très peu ont de voiture, et s'ils en ont, il faut qu'ils le garent dans un parking gratuit qui est à l'extérieur de l'espace habitable. Donc c'est tout un quartier qui a été où l'espace est pour faire du vélo, se promener, jouer, pour la vie sociale en fin de compte. Et donc vous pouvez voir des images ici qui vous donnent une idée des rues, des espaces, avec une très bonne connexion entre les immeubles et les espaces extérieurs. Je l'ai visité deux fois et à chaque fois, c'était incroyable de voir le nombre de personnes qui se trouvent à l'extérieur et l'utilisation de l'espace public. Et donc, dans mon livre, je propose une sorte de vie modèle idéalisé avec des points clés qui sont pour moi font que ce soit un endroit adapté aux enfants. Je ne vais pas parler de ce diagramme aujourd'hui, mais il sera disponible pour que vous puissiez le lire en détail et vous pourriez en tirer certains des points clés qui me semblent importants. Ça, c'est l'image que j'aimerais que vous ayez dans votre tête d'un quartier adapté aux enfants. Alors, quelle est la ville qui lidère? Alors, celle que j'ai pris très plus au sérieux, l'objectif de devenir adapté aux enfants, qui ont mis de l'argent, de l'énergie et du temps. Et je vais en parler un peu plus en détail de 4 villes de cette liste. C'est Gand, Rotterdam, Tirana et Recife, et Barcelone aussi. Dans mon livre, j'ai marqué des points importants de ces différents. Vous dira quelles sont les caractéristiques qui ont intéressé les différentes villes. Et donc, ça vous donne un petit peu l'idée de ce dont je vais parler de Barcelone. Parler de ce qui compte, les villes et l'espace public. Mais je reviendrai sur Barcelone un peu plus tard, parce que je vais commencer par Rotterdam. Rotterdam est fascinante parce qu'il a passé il a dépensé plus de temps, plus d'argent à rendre sa ville plus adaptée aux enfants. Et je pense, parce qu'il y a 50 ans, la ville s'est rendue compte, enfin, les leaders de la ville se sont réalisés que toutes les familles qui voulaient partaient de la ville. Ce n'est pas un bon endroit pour élever un enfant. Et la ville s'est rendue compte que c'était un problème réel. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à investir, à rendre la ville meilleure. Voici un quartier qui est une zone désavantagée, juste à l'extérieur du centre-ville, où on a travaillé avec des partenaires locaux, avec des écoles et d'autres. La ville a ajouté une couche adaptée aux enfants à ce quartier, en améliorant les écoles, les zones de jeu, en rendant les rues plus vertes, en ajoutant des espaces de sport. Donc, plus de choses à faire. Vous vous souvenez mon cadre, hein? Plus de choses à faire, mais aussi plus facile pour les enfants de se déplacer. Donc, vous voyez ici, il y a un moins de trafic dans ce quartier. Et puis, la ville s'est centrée sur ses politiques et a fait un plan de développement une planification spécifique par zone pour voir où est-ce qu'il y aurait des opportunités, où est-ce qu'il y a des manques. Et on peut se rendre compte que tout au long de ces programmes, plus de familles venaient dans ces zones à Rotterdam. Donc, du point de vue politique, c'est un programme qui marchait. Donc, voici Rotterdam. J'ai consacré tout un chapitre sur Rotterdam dans mon ville. La deuxième ville, c'est Gand. C'est pas très loin d'Amsterdam, en Belgique. Et à Gand, ce qui est intéressant, c'est que être adapté aux enfants, ça fait partie de l'identité de la ville. C'est très connu. Il y a même une équipe de 4 personnes au sein de la municipalité dont le travail est de travailler dans toute la ville pour mettre en place ce plan d'action de ville adaptée aux enfants et qui gère toutes les fonctions de la municipalité. Et cette carte montre comment cette équipe a travaillé sur une zone de régénération. Une fois de plus,
C'est une partie pauvre hein, de la ville où on a fait beaucoup d'investissements, beaucoup de travail pour améliorer les espaces publics et les connexions. Vous voyez la ligne rouge, on appelle ça le tapis rouge qui connecte les espaces publics et les constructions de familles, les familles, les maisons de famille avec le quartier et connecte tout le quartier au centre-ville. Alors, ce qu'on a vu à Gand, c'est un exemple de recette, peut-être, un espèce de modèle pour améliorer la ville pour les enfants. Et au centre, dans ce mode, de ce modèle, comme à Gand, c'était une équipe de personnes d'une municipalité et de politiques qui ont travaillé avec les transports, qui sont centrés sur les résidences, sur les quartiers résidentiels où habitent les familles, qui ont fait des investissements de ces espaces et qui, idéalement, ont mesuré l'impact de ce qu'ils faisaient. Et ce modèle est un modèle que j'ai vu dans plusieurs villes, et inclut la troisième ville de ma présentation, qui est Recife au Brésil. Et ce programme se centrait surtout sur les enfants les plus jeunes, et qui était, c'est un programme qui se penchait sur la santé des enfants et l'accès des enfants à la santé et à l'éducation. Voici une carte qui montre, encore une fois, comment le programme allait connecter les villes en rouge et les espaces publics qui sont en jaune. Et ça, c'est un programme pilote que la ville veut appliquer dans notre zone. Recife avait d'autres programmes aussi qui étaient en marche. Un, c'était d'améliorer les vies dans les favelas, et l'autre était un plan très ambitieux de créer un très, très grand pur public dans la ville. Et dans chaque fois la ville ajoutait une dimension de plus dans la ville. Et finalement, la ville finale que j'ai présentée, c'est la ville de Tirana. Voici un bon exemple d'une petite place à l'extérieur d'une bibliothèque qui était ensuite un parking et qui était transformée en juste une petite place tranquille pour que les familles puissent passer du temps à l'extérieur. Dans une échelle plus grande, voici le parc de Tirana. C'est un des premiers projets du maire de Tirana. Une des pensées de Tirana, c'était que c'était une ville pleine de conflits. Il y avait beaucoup de conflits politiques après la chute du communisme et très peu de points communs. Mais le maire s'est rendu compte que s'il se centrait sur les enfants, ça allait créer des liens communs, un terrain commun. Et donc, comme on peut le voir sur le titre, pour adoucir un peu le ton plein de rancœur des politiques nationales. Alors Barcelone, que puis-je dire de Barcelone? Bien, une des forces de Barcelone, ou du travail de Barcelone, c'est que ce plan de jeu a une approche impressive à l'heure de réunir des données sur ce qui existait déjà. Vous pouvez voir une carte dans la ville qui montre les zones qui ont peu de propositions pour les enfants. Je crois que ce plan avait une vision puisqu'il savait où il voulait aller et il s'agissait de s'éloigner du vieux modèle des réserves de jeux. Vous voyez, avec une barrière, une petite porte, très peu d'imagination, très peu de jeu, très peu de compromis, d'engagement, en fin de compte. Et je pense que c'est une action très positive. Une autre chose positive dont on a déjà parlé, c'est se centrer sur les écoles et les cours d'école. Parce que vraiment, c'est perdre un espace dans des villes aussi denses que Barcelone, un espace perdu pour les enfants. Et puis, nous savons aussi que certaines des mesures dont nous parlons prennent en compte la réduction des parkings, le trafic. Ça va être des problématiques. Donc, se centrer explicitement sur les enfants pour adoucir un peu la pilule et avoir un peu plus de soutien avec ces mesures. Et puis, ma diapo finale, c'est juste faire les choses, que les choses aient lieu. Et puis, nous l'avons vu cet après-midi, les défis sont des défis politiques. Ce ne sont pas franchement des défis techniques, puisqu'on peut trouver des solutions de conception technique, puisqu'on a des
tout soutien, etc. Ce dont je crois nous avons besoin, c'est les bonnes personnes, surtout des personnes au sein de la municipalité. Vous souvenez de mon modèle et les politiques qui soutiennent ces personnes. Nous devons être opportunistiques, c'est un agenda émergent et nous devons donc voir, saisir l'opportunité de quels sont les crochets au changement de la ville comme à Gand. Mais je voudrais terminer avec une vision des enfants comme un prisme unificateur des enfants, les enfants, hein, et que ce soit une espèce d'indicateur pour les villes. Et je ne pense pas que ce soit simplement un slogan. Je pense que c'est une déclaration de vérité. De la même façon, lorsqu'on voit un saumon qui remonte à une rivière, c'est un signe. Si l'on voit des enfants de différentes années qui se promènent sans parents et qui peuvent agir et jouer dans leur quartier, ça, c'est un signe de santé dans nos quartiers. Merci beaucoup. Gracias, Tim Gill, por este recorrido ilustrado por estas ciudades referentes en el mundo por lo que a ciudades jugables se refiere. Cómo transformando los espacios transformamos también cómo se mueven estas ciudades. Me ha encantado la comparación de si hay salmones en un río, ese río es saludable, si hay niños jugando en las ciudades, es que algunas cosas estamos haciendo muy bien. Bueno, el análisis de Barcelona, no sé si interesadamente o no, ha salido muy bien. La verdad es que esa atomización de los espacios de juego es lo que interesa, esa permeabilidad, no reservarlo en una parte de las ciudades, sino como contaba Tim Gill, lo interesante es que todas las ciudades se impregnen de esa ciudad jugable. Bueno, Einstein dijo, yo creo que esta frase ya la sabéis, pero a mí me encanta, dijo que jugar es la forma más elevada de investigar, y es que jugar es educar también. Bueno, es tan evidente, pero a veces vale la pena recordarlo. Como sabéis, Barcelona preside la Red Internacional de Ciudades Educadoras, todas ellas enganchadas al juego y a su imparable poder transformador, como hemos visto a lo largo de esta tarde. Hoy estamos conectadas, estas ciudades educadoras, amigas y hermanas, a través de Internet, siguiendo las ponencias tan interesantes de esta tarde a través de la red. Por eso, para cerrar esta primera parte más internacional de la jornada, nos acompaña la secretaria general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, Marina Canals. Marina, adelante, buenas tardes. Muchas gracias, Clara. Un saludo a todos. En la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras somos conscientes de que los estilos de vida familiares acelerados que se dan sobre todo en los contextos urbanos no facilitan el juego infantil. Si a ello sumamos el poder creciente que ejercen las pantallas y que numerosas ciudades y pueblos durante décadas han dado prioridad al automóvil, han descuidado el diseño de los espacios de juego como la inversión en ellos, es urgente llevar a cabo acciones decididas y políticas públicas para favorecer la existencia de espacios y momentos de juego para hacer de nuestros municipios espacios más lúdicos, más jugables, ¿no? Hoy, tres ciudades valientes, Barcelona, París y Sao Paulo, con sus ejemplos, nos han demostrado que es posible jugar en parques, en plazas e incluso en las calles y patios de las escuelas fuera del horario escolar. Esto sucede cuando existe la voluntad de que así sea. La importancia de analizar y evaluar los programas nos la ha puesto encima de la mesa Sao Paulo. Muchas gracias también a Tim Gill porque nos ha hecho un recorrido por otros ejemplos y nos ha dado pistas de cómo hacer que nuestras ciudades sean más amigas de la infancia en cuanto a la planificación y al diseño de los espacios de juego. De la mano de estas presentaciones hemos constatado que los núcleos urbanos pueden funcionar como plataformas para desarrollar la imaginación, la creatividad y el asombro, y con ello favorecer el desarrollo emocional y social de la infancia, favorecer la exploración, como tú decías ahora bien, Clara, las nuevas ideas, explorar nuevos límites, desarrollar habilidades, el pensamiento crítico, vínculos con el entorno, con otras personas de la comunidad, hacer nuevas amistades, y todo esto en un contexto divertido y no reglado, ¿no? Me gusta señalar que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU reconoce el juego como un derecho de la infancia y la Carta de Ciudades Educadoras nos invita a ordenar el espacio público para atender las necesidades
las de accesibilidad, cuidados, salud, encuentro, seguridad, juego y esparcimiento, y todo ello para mejorar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Por todo ello, en el marco de la celebración del Día Internacional del Juego, con este acto conjunto hemos querido subrayar su importancia, compartir buenas prácticas para animar a nuevas ciudades a lanzar recomendaciones también para mejorar desde este punto de vista. Entonces, lanzo unos pequeños mensajes para animar a todas las ciudades y profesionales que hoy nos acompañan a ser creativos y valientes para intervenir en los espacios públicos existentes, en los espacios de juego existentes de las ciudades, para cualificarlos, mejorar otros que tenemos todavía, hacer los deberes que tenemos pendientes. Os animo también a descubrir otros espacios y escenarios potenciales de juego, a pensar espacios integradores que no segreguen a niños, niñas de diferentes edades ni por su condición física, espacios que además de ser buenos para la infancia y la juventud contemplen las necesidades sociales de sus padres, madres, otros cuidadores y el conjunto de la comunidad. Y como no podría ser de otra manera, una ciudad educadora, en una ciudad educadora os invitamos a incorporar la perspectiva infantil en los procesos de diseño y planificación de estos espacios y generar sinergias con la sociedad civil. Agradecemos al Ayuntamiento de Barcelona, al Instituto de Infancia y Adolescencia y al Centro Cultural del Born por la propuesta de organizar este acto conjunto. Agradecemos también a las más de 120 ciudades de 13 países del mundo que han seguido este encuentro vía streaming o por Zoom, YouTube, y a todos ustedes que se encuentran reunidos aquí por su atención. Contamos con todos ustedes para hacer que nuestros municipios sean más jugables. Muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigada.